73 51 les stations fréquences de la part de Dundee 33 et c'est parti pour le QSO national du canal 27 section sud-ouest. Ah bon, d'accord. Ouais, j'ai entendu gratouiller un petit peu. Si ça va, ok, ça passe. Voilà, c'est pas épais là. J'ai beaucoup de QRM, beaucoup de bruit de mon côté, donc c'est vrai que j'avais pas trop monté le volume. Oui, les 73 Eric, si j'ai bien entendu. Ouais, Rémi, 73, j'espère que tu vas bien. Je salue Doudou, que j'ai bien entendu aussi derrière. 73 à vous deux. T'as 3 QRM et toi tu m'arrives à 4 pour te dire que là c'est pas évident. Hein. Ok, voilà, je viens de mettre l'oreillette dans l'oreille. Comme à chaque fois, là, je fais une petite vidéo, mais ce soir, elle sera toute simple, hein, la vidéo. J'ai le matériel qui est prêt pour demain et tout, donc je fais soft ce soir. Alors demain, je sais pas si tu as vu, Eric, j'ai fait quelques bidouilles aujourd'hui. Hein. T'as fait des bidouilles, c'est-à-dire ? Au niveau du push. Disons que le push se transforme un petit peu en station vidéo, hachi. Ah ok, d'accord, je n'ai pas mis ça où sur Facebook. Oui, affirmatif aussi avec. Là, il y aura demain matin sur la route, il y aura une caméra en fixe sur le poste et une autre en fixe sur le tableau de bord. Ouais, je sais, oui. J'ai envoyé un SMS tout à l'heure à Daniel. Bon, il s'est pas senti l'envie de répondre à chi trois coups. Par contre, je l'ai vu réagir sur Facebook. Alors lui, il est complètement à l'ouest. Là, il est parti pour aller à Marraine demain. Donc, j'ai vite répondu. J'espère qu'il va avoir le message. Non, mais il va réaliser que c'est pas qu'il est un peu en avance là. Ah ouais, c'est pas la même route. Hein. Et puis, allez, retour de nous. Ah, tu veux pas céder au désert? Ah, peut-être que les deux est en train de faire des modifs ou des trucs comme ça. Il n'y a pas de souci, tout est opérationnel de mon côté. On a fait du ski des cavillons ce soir, même depuis la camion à l'intérieur de Chili, vous entendez. Et on a discuté. Retour, Rémi. Ok, vu qu'au QRA, je n'entends pas de douche et pas trop. Et j'ai du mal à l'entendre dans le web SDR. J'ai pourtant l'oreillette là, de caler là, au fond de l'oreille, mais c'est hard. Hein. Les 73 doudou, dommage que tu puisses pas m'entendre. C'est vrai que y a pas mal de QRM là ce soir un peu partout. Hein. Ouais, mais tu vois, moi pour une fois, encore ça va à peu près. J'ai quoi? J'ai 3 points de QRM, donc ça va, ça passe. Et doudou, on te voit demain.
ok, il n'y a pas de souci, ouais, ouais. Mais écoute, moi, ça va changer, comme je t'ai dit, j'arrive vers 10h, 12h. Et tu auras Daniel, il y aura Rémi, ils sont là d'ici la pointe du jour. Vas-y, Rémi. Ok, ben demain matin, on prend la route à 7h30. Voilà, pour arriver vers les environs de 8h30 là-bas. Alors pour les stations qui sont en écoute, qui sont pas trop au courant, qui n'ont pas trop suivi, demain nous allons tous à Radio Broc Sestas. Voilà, les portes ouvrent à 8h30. Radio Broc, c'est une brocante radio. Bon, c'est comme les salons, hein, c'est pareil hein, de toute façon. Pendant que j'ai le micro, pour pas faire de jaloux, ceux qui sont sur le département 59, il y a une bourse radio à Bouéchep, voilà, département 59. Demain, il y a aussi le salon de l'électronique et du radiomodélisme à Chenove, département 21. Voilà, comme quoi, toi, là, demain, ça annonce vraiment le démarrage des différentes brocantes et salons radio un peu partout. Ah, mais c'est bon, il y a pas mal de choses sur les quatre coins de la France, là, c'est bien. Ouais. Ok, hein, ouais. Mais c'est nous, c'est plus que derrière, des fois. Ben oui, il est là-haut. Il est où ? Alors, si je vise bien, 555. Ah, mais il est peut-être 555 et puis il est un peu dans le manger. Hop là, ça commence à redescendre. Il y en a deux ou trois là, qui sont redescendus d'un seul coup là, sur le QSO. Les 73 des stations qui viennent d'arriver à l'instant, les 73 Cyril et tous les autres qui sont déjà là, derrière la porte, là sur le WebSDR, c'est-à-dire 14 FDX 057, 14 Mac Sierra 033, Cyril, Fredo, ben non, il est sur le chat, Fredo, non, il n'est pas sur le chat. Alors lui, il a dû s'endormir sur son canapé. Gonzague, Oscar 62, et 73 à tous. Oui, 73 51 de la part de 14 Victor et Colin 7 aussi, à tous les écouteurs du WebSDR, voilà. Bon, est-ce que tu finis quoi? Tu décharges et après tu te rentres à la maison? Même sur le WebSDR, là, j'ai énormément de mal à l'entendre. Comme quoi, même si j'avais pris la bande son là, du WebSDR, ça aurait vraiment pas été top du tout. Ok, ben y a des news qui tombent aussi là du côté du chat. Alors il y a le FDX qui fait sa réunion annuelle au mois de juin. Qu'est-ce que je vois d'autre? Alors il y a Castres, Saratec Castres, le samedi 14 avril. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, c'est déjà pas mal. Merci les stations sur WebSDR là, de nous donner les infos comme ça en même temps au fil de l'eau. Oui, retour Eric, parce qu'il n'y a que toi que j'entends. Hein. Ok, et Daniel, ce soir, il vient de faire un petit tour, il est perturbé là.
J'en ai aucune idée. Je sais pas, j'ai envoyé un SMS, mais bon. Il n'a pas eu envie de répondre, bon, c'est pas grave. Ah, ou alors il est à 16 entre le service du Vito pour un bruit sur Bordeaux, il s'est trompé. Ah, ça c'est bien possible, parce que sur le groupe, enfin sur Facebook, je sais plus, j'ai marqué fais demi-tour, t'es allé trop loin, c'est à Cestas qu'on va. Ouais, tu m'étonnes. Ah, j'entendais un bruit dans le web SDR. C'est Zouzou qui te demande si tu le copies là maintenant. Ben pas mieux, parce que non, mais c'est vrai que là c'est là, heureusement que tu vois que j'ai pas prévu d'enregistrer la bande son du web SDR, parce que de toute façon c'est caca aussi de ce côté là. Hein. Bah, tu l'as pas entendu alors à Doudou là. Ben j'ai entendu vaguement quelque chose dans le lointain, mais c'est tout sans plus, hein, c'est du indéchiffrable. Vas-y, retourne Doudou. Ben, j'ai vaguement entendu quelque chose, mais je sais même pas à qui ça s'adresse, tellement que c'est noyé, tellement que c'est petit et noyé dans les QRM de mon côté, là, dans l'oreillette. Ouais, là, apparemment, on vous entend du temps, là, c'est pas, ça passe pas ce soir, là, la propagation. Ah ouais, c'est pas ça. Bon, et Ludovic, alors, il est passé où, Hachi? Ouais, Ludo, ce soir, il n'ira pas. Ou alors, après, il m'a dit, ça c'est sous réserve, mais en principe, je sais, il n'ira pas, là, parce qu'il a du monde, comme c'est l'anniversaire de son fils, qui arrive de la famille qui doit arriver, sûrement. Et demain matin, il va faire un tour à Radio Rock, comme il a comme ici d'habitude, quoi. Ok, ouais, bah ouais, comme l'année dernière. Ouais, c'est vrai que c'était bien sympa son petit passage. Hein. Ouais. Non, c'est sûr que. Ouais, j'ai pas des nouvelles de Fredo, donc Fredo, je sais pas, j'espère que c'est toujours bon. Il va venir faire un petit tour demain, quoi. Et je sais pas. Bon, Fredo, j'ai pas derrière des fois. Combien tu paries qu'il s'est endormi sur le canapé, quoi? Attends, on t'a parlé en même temps que Rémi. Oui, vas-y, Ludo. Ah ben, Ludo va venir faire un petit tour, oui, mais il ne restera pas jusqu'à midi ou 1h, quoi, parce qu'après il a du monde, c'est l'anniversaire de son fils, quoi. Parce que tous les ans, son fils, son anniversaire, ça tombe au moment. Donc, il va venir faire un petit tour, oui, Ludo. Pas de soucis. Bon, Bruno, tu n'es toujours pas là? Non, vas-y, retourne. Ok, il y a un petit truc là de mon côté là qui est passé. Là. Je sais pas ce que. Bon, peu importe. Samedi dernier, j'étais du côté de Bordeaux. J'ai lancé le QSO là, depuis là où j'étais. Il n'y a pas eu grand monde, ça a été le désert. Mais par contre, j'ai quand même eu une station de... Ah zut, en remontant, là... comment ça s'appelle? Sainte-Eulalie. Voilà, c'est un OM que, justement, Ludovic a déjà eu en fréquence. Et il me semble l'avoir eu un après-midi déjà, mais ça remonte à peut-être un ou deux ans de ça. Ah ouais, Sainte-Eulalie, c'est à côté de Carvalho, tout ça, c'est pas très loin, là. Ouais, affirmatif. Il y a une station là qui est par là-bas, mais il est saturé de QRM. Hein. On a parlé un petit moment là. Chez lui, il avait quoi? Il devait avoir quelque chose comme 7 de QRM. Au secours. Hein. Pourtant, j'étais pas très loin, mais ça fait rien. Hein. Il a fallu que j'ai l'Alpha Lima d'allumer pour arriver à passer au-dessus, quoi. Je sais pas ce qu'il compte faire, qu'il compte nous faire. On ne peut pas qu'on rêve, quoi. Je rêve, ça c'est trop beau. Hein. Faut qu'il
nous améliore les vannes un peu plus grandes. Ah ça, déjà les fabricants auraient commencé à mettre des filtres et tout dans leurs appareils et tout ce qui s'ensuit, mais aucun ne se sent concerné par ça. Ouais, c'est pas facile. Ouais. Allez, retour, nous. Ok, ouais, quand je parlais des appareils, je parlais tout ce qui est télévision, tout ce qui est appareillage électrique, sauf radio, quoi. Je parlais de filtrage de tout ça, quoi. Ouais, puis les nouveaux compteurs, là, les Wi-Fi, là, ça aussi. Ouais, je sais, ouais, ça fait un moment là, qu'on entend parler de ça. Et apparemment, ils ont l'air de s'en tamponner hein, du fait que ça peut parasiter. Hein. Mais en plus de ça, le problème avec ces compteurs, c'est qu'ils peuvent savoir tout ce que tu as comme matériel chez toi. Hein. Là, quelque part, c'est pas mal intrusif. Hein, puisque j'avais lu un truc là-dessus que, justement, ça leur permettrait de pouvoir te balancer après de la publicité ciblée. Quoi. Ouais, ouais. Mais je pense qu'il y a une vidéo qui a balancé un truc sur les autres, là. Justement par rapport au compteur LinkedIn, il y a des associations qui sont un petit peu partout là, justement, qui sont contre ces compteurs. Ouais, je sais bien, j'ai vu ça, mais il y a un problème qui se pose, c'est que les compteurs, ils ont été quand même validés par l'État. Alors, c'est pas gagné, là. C'est le pot de fer contre le pot de terre. Hein. Ouais, c'est sûr. Ok Frido, vas-y en avant. Il y a Frido qui est arrivé. Sur le chat du WebSDR. Je disais que c'est le micro qu'il faut qu'il prenne. T'es, justement, c'est ce que je viens de lui écrire. Ok, alors il arrive dernier moment. Madame est devant la télé pour le moment avec les enfants. J'arrive dans un moment. Voilà, j'ai fait le QSP. Il a allumé la passerelle parce que si ça se trouve, il y a Xavier qui essaye à se connecter, mais il ne peut pas. Je vais m'enlever sur le. Si ça passerait les en fonction. Ok, voilà, je viens de lui envoyer la question. Ouais, parce que la dernière fois, il avait oublié. Ah, d'accord, je croyais qu'il s'était endormi sur le canapé le dernier coup. Hein. On a resté tous ensemble là, vous étiez là aussi, et il avait oublié de brancher la passerelle et Xavier essayait d'appeler, mais je ne peux pas se connecter. Ah oui, d'accord. Au fait, t'as vu que là, il va y avoir un nouveau poste là, qui va sortir là, chez CRT pas loin, à MFM, 27 mégas, c'est le CRT Xénon. Ouais, il me semble que j'ai aperçu que j'ai comme ça sur Facebook. Ouais, le nouveau CRT, je sais qu'ils en ont sorti pour les autres fréquences, là. Ouais, mais je sais qu'il y a un jour, en sort un nouveau, là, où il y a un nouveau qui vient de sortir, là.
Justement, il y a tout pour les fréquences pour le PMR. C'est UHF, VHF, VHF. Ah oui, d'accord. Non, que celui-ci que je viens de te citer, là, le CRTEC Xénon, connu sous un autre nom, Aniton ERA, c'est du 27 mégas. Hein, c'est voilà, 40 canaux, multinormes, AMFM, grand affichage LCD, multifonction. Bon, j'ai pas plus de détails. C'est les détails que. Ce que je viens de t'annoncer, c'est les détails qu'il y a sur le site de CRT. Hein. Ah bon? Pourtant, tout cet après-midi, en fin d'après-midi, début de soirée, la propague était pourtant là. Hein. Ah d'accord, parce que quasiment tous les jours, il y a son petit lot de passage du propag. Bon, évidemment, ça dure quoi? Ça dure 5 minutes, 10 minutes. Ça retombe, ça revient un peu plus tard. Ça retombe, ça revient encore à nouveau un peu plus tard. Et puis voilà, quoi. C'est, si tu veux du stable, il va falloir qu'on attende encore un peu, hein. Hachi. Ouais, là je crois qu'on doit commencer à remonter un petit peu, non? Là on doit commencer ouais, à sortir du creux de la vague, hein, il me semble. Ouais, je sais que c'est pas la semaine dernière, je crois que c'était l'autre d'avant, où il y avait eu en fin d'après-midi un bon coup de propagation là, et c'était quand même sporadique aussi, j'ai monté, j'avais fait quelques contacts. Mais bon, lui, il fallait tomber dessus, quoi. Il fallait être au bon endroit. Allez, retour de nous. Ouais, ouais, Papy 33, tu veux dire, oui, oui, affirmatif. Non, pas Papy 33, pas le révélateur, non. Papy le révélateur, Patrick. Oh, j'ai un trou là. Celui qui était avec nous, qui mangeait avec nous tous les ans, qui était Patrick le grand, là, Patrick, Papy le révélateur. Ah oui, ok. Ouais, 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 je crois, oui. Je sais plus. Ouais, ouais, mais je pense que normalement, ils devraient venir faire un petit tour à Radio Bois, quoi, ouais. Mais je sais pas, bon, on verra bien demain. Oui, voilà. C'est toujours le même restaurant que Daniel avait trouvé là, où on va un peu, quoi. Alors non, on change d'endroit, il nous a trouvé un autre restaurant, c'est réservé, et il y aura une petite surprise à la fin du repas. Ben, je sais ce que c'est, je me doute. Oui, mais le nouveau restaurant, là, à Pessac. Alors, il a mis la publication là sur Facebook, mais là, j'ai zappé le nom. Oui, je me rappelle du temps là, de tête. Mais oui, je sais. Non, là, je sais, je me dis ce que c'est.
Ok, non, c'est vrai que là, je me souviens plus du nom. Hein. Ouais, j'ai pas mon téléphone avec moi, parce que justement, j'avais mis en mémoire, là. C'est Ok, oui. Ok, oui. Dis donc, on n'est pas nombreux ce soir, là. Ils sont passés où? Hey, t'as des nouvelles de Michel, la tour de contrôle? Parce que je l'entends plus nulle part. Non, pas du tout. Mais aucune nouvelle. Mais, ah oui, tu sais même pas s'il est en bonne santé, en fin de compte. Alors, pas du tout. Là, j'ai plus du tout de nouvelles. Ça fait... depuis avant qu'on devait faire son anniversaire, j'ai plus du tout de nouvelles. Putain, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a. Bon, ben on verra bien s'il réapparaît. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Ouais. Et là, je sais pas si t'avais été au courant, là, j'ai un pote, là, l'ami, là, qui faisait de la radio, là, qui a entendu, quand tu te lèves tôt le matin, quand tu étais sur la route, son prénom, c'est René. René, tu sais, c'est du détaillant, là, c'est lui qui a discuté. Oui, affirmatif, oui, je me souviens. Ouais, il est décédé, là, ça va faire 15 jours, c'est à peu près 2 semaines, avec un enterrement, et voilà, ça a été tout droit, là, il a été plié en 2-3 mois, il a été plié. Ah ben merde, alors. Ben, ouais, c'est vrai que ça fait un choc, quoi. Hein. Ben, ouais, il m'a semblé entendre un bruit derrière. Bon, d'accord, non, dans l'oreillette, j'ai entendu un truc, mais bon. Ouais, c'est tout le regard, c'est ça, c'est assez vide, quoi. C'est vrai que. Voilà. Bon, allez, retourne d'où? Oui, dit Roger. Je ne sais pas si j'entends un bip derrière, je ne sais pas si... Oh, c'est un petit gars.